Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième live shopping autour des jeux libres qui stimulent la créativité. Avant de vous en dire plus, on va tout de suite passer aux présentations. Donc, je suis Margot en charge des réseaux sociaux chez Optoz et je suis avec Christine. Enchantée, bienvenue à tous. Donc, je travaille au service client chez Optoz depuis 13 ans. Je suis en charge de tout ce qui est conseil sur nos produits. Donc si vous avez besoin d'informations particulières, n'hésitez pas à me contacter. Et avant d'en dire plus un peu sur les jeux libres, Christine, on a trois surprises à annoncer à nos téléspectateurs. Le premier, c'est qu'il y a un code de -20% qui est actuellement actif sur la sélection de produits Vive le jeu libre sur notre site internet. Et ce code est le suivant, LIVEJL, LIVEJL, tout en majuscule. Vous pouvez dès à présent l'utiliser. La deuxième surprise, c'est qu'à la fin de ce live, vous pouvez tenter de remporter une carte cadeau d'une valeur de 30 euros en répondant à une petite question que Christine vous a préparée. Et il y a, je crois, une troisième surprise aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a une troisième surprise. Pour les personnes qui se sont inscrites au formulaire sur notre blog, d'ailleurs, il n'est pas trop tard, vous avez reçu un code par mail qui vous permet de recevoir un petit cadeau lors de votre commande. Donc, les deux codes sont bien cumulables. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour et puis je te propose déjà qu'on s'installe pour découvrir les bacs. Oui, tout à fait. Donc là, on a préparé, on va vous présenter, on va vous montrer comment créer un environnement propice à l'exploration, à la mise en scène de petits mondes en fait, hein, et qui vont permettre donc différentes explorations de matériel de chez Optoz. Oui, parce que c'est vrai que chez Optoz, on laisse une grande place en fait aux jeux libres, aux jouets versatiles. Donc c'est des jeux qui n'ont pas de fonction définie. C'est ça. Et voilà, qui doivent. Et en fait, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui va créer toute la partie autour du jeu. C'est ça. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur le jeu libre ? Oui. Donc le jeu libre, effectivement, comme tu le dis très bien, Margot, sont des jeux, des jouets versatiles, un jouet qui n'a pas de fonction définie à la base. L'enfant va jouer de plusieurs façons avec. Hein. Il va pouvoir vraiment développer totalement son inventivité, sa créativité, faire jouer son imagination et l'utiliser de différentes façons, en fonction de son besoin du moment, de son évolution aussi et de ses capacités motrice également. Hein, oui. Voilà. Et c'est vrai que chez Optoz, on aime vraiment beaucoup les bacs d'exploration. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire une toile vierge pour l'imagination des enfants. Et là, ils vont vraiment pouvoir créer ce qu'ils veulent. En fait, ils font ce qu'ils veulent, les enfants, ce qu'ils veulent de ces bacs. Ils les font vraiment évoluer en fonction de leurs besoins. Et avec ces jouets dits ouverts, hein, qu'on apprécie vraiment beaucoup, les enfants sont mis au défi donc, d'utiliser leur imagination pour inventer mille et une histoires. Donc là, on vous a présenté, on est face donc au bac aquatique, donc on va un petit peu vous en parler, vous les décrire. Et c'est vrai que pour revenir au choix des jeux, chez Optoz, on porte une grande attention sur le choix des jeux, et on se plaît à dire que un bon jouet devrait être évalué en fonction de ce que l'enfant peut en faire et non pas de ce que le jouet peut faire, hein. Donc ça dit vraiment tout ce que ça résume très bien un petit peu notre live d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et bien on peut tout de suite présenter donc notre premier bac d'exploration. Donc vraiment là on a créé un imaginaire autour du monde aquatique. Mais comme tu l'as précisé enfant, avant c'est des bacs qui sont à faire, à créer des mini-mondes autour de l'imagination de l'enfant et de l'adulte. Donc c'est vraiment ça. De créer, là on a fait une petite plage, on a la banquise, on a l'eau. On a des animaux, donc des figurines. On a pu utiliser donc des figurines, des animaux de la mer, hein, que l'on propose. On a différents produits de chez Optoz, donc du coup des textures différentes. Là, on a le sable, c'est le sable kinétique, hein, donc on va pouvoir recréer donc la plage. On peut utiliser donc différents outils de motricité fine pour manipuler, pour faire des formes. On peut également, tiens là, on a une petite pince. J'ai d'autres petits outils, regarde là. On peut en fait aussi cacher des coquillages dans le sable et s'amuser à aller les chercher à l'aide d'une pince. C'est des petits trésors en fait qu'on va aller chercher dans le sable.
Hop. Et ça fait vraiment travailler la motricité fine grâce à ces différents outils, ces différentes pinces. Et ça va permettre de développer des compétences chez l'enfant, une motrice, au niveau de l'imagination, au niveau de la spontanéité aussi, parce qu'ils vont spontanément en fait, investir cet espace. Mmh. Alors l'avantage des bacs aussi, c'est qu'on contient le jeu. Le jeu est contenu en fait dans un espace restreint, dans un espace qui permet donc s'étaler, d'en mettre partout, surtout que là aujourd'hui on a utilisé de l'eau. On a même une naissance qui va bientôt, qui est prévue pour bientôt. Un petit pingouin. Ah, en effet. Un petit pingouin qui va naître prochainement. Oui, donc vraiment, ses parents ne sont pas loin, donc ses parents sont là, ils surveillent. Ils attendent avec impatience l'arrivée de leur bébé. Et bon, là, il est dans l'eau, donc effectivement, on est dans l'Antarctique. Hein, donc le but, c'est vraiment de construire un environnement qui te permet de. Tout à fait, avec les perles, avec les coquillages à gogo, avec des éponges aussi. On a sorti au niveau de nos éponges, on a des textures différentes, des poids différents aussi. On a la boule de neige aussi, donc on va pouvoir manipuler, toucher avec les mains. On a les petits bols aussi, donc là qui permettent aussi de jouer, d'utiliser en fait différents apprentissages, notamment le transvasement grâce à ces petits bols, tout ce qui va être jeu de transvasement. Alors ces bols peuvent être ventousés sur toutes les surfaces. On faire des petites cachettes pour les animaux. Voilà, aussi. Hein, ils peuvent vraiment. Un chapeau. Ils peuvent être vraiment multifonctions. Pouvoir vraiment être utilisés sur. Encore libre à court à l'imagination. Totalement. Oui, oui. Parce qu'on essaye vraiment de mettre une place importante à l'intérêt et l'envie que l'enfant a envie de donner à son bac, à son mini-monde. Et par exemple, là, c'est vrai que pour ça, on a des jouets qui sont très versatiles. C'est des jouets qui viennent de chez Moluc, c'est ça. Oui. Donc là, on a la Oggie Family. C'est ça, donc la petite famille. Alors, ce sont des jeux ventousés. Donc la famille, les jeux Moluc, en fait, sont des jeux qui sont développés sur le principe du jeu libre. Ils permettent donc de laisser place à l'imagination de l'enfant et ils offrent différentes possibilités d'exploration pour un même jeu. Donc on en fera vraiment plein différentes choses. Ce sont des jeux qui se ventousent, tant au niveau de la tête, des pieds, des mains. Donc on va pouvoir vraiment encourager l'interaction. On va pouvoir stimuler les sens aussi. Hein. Donc là, on a des. Le petit soleil, par exemple. C'est ça, aussi. Le petit soleil qui peut servir de brosse pour brosser les. Vraiment aux envies de l'enfant aussi, ce qu'il veut en faire. C'est ça. Et ça va vraiment stimuler tous les sens de l'enfant. Et également, les jouets Moluc, comme tous les jouets que l'on propose, conviennent à tous. Et ils vont évoluer en fonction de l'utilisation et des fonctions de développement de chaque enfant, en fonction de leur évolution. Je peux faire une démo de mon préféré, Christine ? Oui, c'est ça. Vas-y. Justement, là, je développe seule mes capacités pour apprendre à transvaser. Hop, j'ai pris l'eau. C'est évident avec la pince. Dans mon petit gobelet, c'est ça. Ouais. Et là, je vais faire la pluie sur... Je ne vais pas dire d'erreur sur le nom de l'oiseau, mon goéland. C'est ça, un petit goéland. Ou alors on a sur, un petit œuf, là, d'ailleurs, sur mon aussi. Petit fond. C'est un œuf de goéland. Donc ça, c'est le petit pluie aussi. C'est ça. Alors ces jeux peuvent être utilisés dans le bain également. Donc du coup, ils peuvent se ventouser aux parois de la baignoire. On peut vraiment les accrocher entre eux et faire vraiment des guirlandes de petits bonhommes. Et voilà, on les adore, hein, en tout cas chez Optoys, ils peuvent être aussi utilisés comme fidget, hein, si on le souhaite. Et voilà, il y a toute une gamme en fait chez ce fournisseur qui vraiment permet vraiment de développer l'imaginaire et les sens. Voilà. Et c'est vrai que dans ce bac-là, finalement, l'enfant, il développe lui-même des compétences comme le transvasement, des apprentissages. Des apprentissages aussi, qu'il fera au fur et à mesure. On a un autre bac d'ailleurs au niveau qui peut permettre aussi de faire certains apprentissages. Ah, parce que les enfants aiment transvaser, ils aiment patouiller aussi un peu, mais ils aiment aussi trier. Et assez spontanément, en fait, on s'aperçoit que les enfants apprécient tout ce qui va être jeu de tri. Donc là, ils peuvent, grâce à différents outils, différents objets de chez Optoys, ce que l'on propose, ils sont vraiment de gamme vraiment totalement différente. Ce sont des jouets qui peuvent être utilisés aussi. Ceux-ci, c'est qu'ils sont translucides. Ils peuvent être utilisés avec la table lumineuse. Parce que du coup, la lumière, le fait qu'ils soient translucides, permet donc de révéler vraiment tous les petits détails. Donc là, ce sont des jeux qui sont texturés. Donc ça va développer vraiment au niveau sensoriel
des petites rainures différentes, donc là de coquillages, donc au toucher, on va être vraiment sur des textures vraiment différentes. Les pâtes à modeler, la pâte à modeler aglobie aussi, ah, donc on va être génial, ouais. Sur des textures vraiment différentes. Tous ces petits objets aussi qui peuvent être utilisés sur les tables lumineuses. Oui, là, on a les petits trésors, c'est ça? C'est ça, les petits trésors, alors qu'ils sont d'une densité vraiment intéressante parce qu'ils sont pleins sur la table lumineuse. Donc, ça fait vraiment, on dirait des petits bijoux. Hein, c'est vraiment des trésors. On les aime vraiment beaucoup. Et on a également ces arcs en ciel, en fait, de chez Dena, qui sont souples. Et donc, les enfants peuvent les utiliser. En fait, ils peuvent être manipulés, ils peuvent être jetés. Ils sont vraiment Ils peuvent être mordus au plus jeune âge. Également. On peut même s'en servir pour faire des gâteaux, pour faire des cuisines, hein, si vous voulez. Donc là, c'est période de Noël, période des gâteaux, on peut faire un pain d'épices avec une forme un peu rigolote. Et les enfants, donc les plus petits, pourront les mouiller, les écraser, hein, les jeter. Les plus grands pourront en faire en fait des formes, construire. Se créer un mini-monde encore avec grâce à ces petits arcs-en-ciel et faire des constructions, effectivement, comme là Margot est en train de faire, donc des petites constructions. Mais c'est vrai que les enfants, naturellement, spontanément, aiment trier par couleur, par famille, par matière. Donc, par matière. Là, on a les balles, effectivement, qui sont en acier inoxydable, qui, donc, au toucher, elles vont pouvoir permettre de sentir un petit peu le froid sous la main. Elles vont se réchauffer. Alors, aussi, quand on les manipule, on va travailler aussi le reflet, donc différents... Là, on a le miroir d'exploration, qui est vraiment magnifique. Oui, avec les petites paillettes. Hein. Ouais. Moi, je l'ai en doré. Regarde. Il existe aussi en violet. Ouais, ouais. Et donc, Christine, en fait, le joli, finalement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est pas comme un jeu de société. C'est pas comme un jeu de société, tout à fait. Le jeu libre, en fait, ça nous donne vraiment libre cours à son imagination. Ça permet vraiment d'utiliser tous ces sens, sa créativité, son imaginaire, utiliser vraiment plein de compétences. Là, on a comme avec un saut aussi. Bah, comme un saut, voilà, tout à fait. On peut l'utiliser pour classer, tu peux en faire un petit sac pour mettre tes trésors dedans. Tu peux en faire une cachette par exemple pour tes animaux, oui, justement, de la campagne. Ah, oui, mais là, on a recréé un bac avec tout ce qu'on a pu ramener en fait d'une promenade ou du parc. Par exemple, là, dans mon Billy Bo, j'ai ramené du bois. Ah oui, tu t'en es servi en fait comme petit panier en c'est fait, ça. Pour ramener du bois. Donc là, ce sont des objets hein, que l'on propose chez Optoys, qui sont au niveau de la finition, hein, qui permettent vraiment de manipuler, en fait, de faire des constructions. Hein. C'est un jeu de construction donc, qu'on a souhaité utiliser dans ce bac. Il y a plein d'autres choses en fait dans ce bac. Donc c'est des choses qu'on peut ramener du jardin, comme des pommes de pin, des cailloux, du sable. On a aussi les petits sapins en bois. Oh, ils sont géniaux. Oui, alors ils sont vraiment... J'ai cassé le... c'est pas grave, regarde. Eh ben, je vais construire en direct. Vas-y. Et donc là, c'est ces jeux en bois qui ont vraiment une finition vraiment une très très bonne finition. Ah, le toucher est très agréable. Le toucher est vraiment très très agréable, très très doux. Et donc là, on va pouvoir l'intégrer donc, dans ce petit bac campagne. Ils peuvent développer vraiment au niveau sensoriel beaucoup de notions et beaucoup de... c'est vraiment très intéressant voilà, à manipuler ces différents petits sapins. Bon, puis c'est deux saisons, hein, les petits sapins. Et puis quand tu reviens d'exploration, tu peux aussi dans tes petits... Dans les petites boîtes sensorielles à trésor, tu peux effectivement ramener des herbes, ramener, mettre des choses à l'intérieur et les observer grâce à la loupe. Voilà, tu peux observer ce qu'il y a dedans. Alors, ça peut être aussi des petits blocs qui sonores, mm-hmm. olfactifs, et destinés à l'observation. Voilà, avec la loupe par exemple. Hein, je ne sais pas si tu vois bien. Regarde. Si, je vois bien. Ouais. Voilà. On peut observer aussi les petits insectes hein, qu'on a mis dans le bac. On peut s'amuser donc à faire des jeux moteurs, motricité fine, s'amuser à les attraper. Attends, oui, encore une fois, on essaye d'explorer, on regarde un peu partout. Oui. Oh, Christine, il y a une cachette? Oui. Ah oui, bah, y a un insecte dedans. Une gigantesque fourmi. On va pouvoir vous montrer en direct ce qu'on a trouvé dans la cachette. Hein. L'observer. Voilà, et l'observer, et, voir un petit peu les détails de plus près. Et Christine, c'est vrai qu'autour du joli, bon, on parle beaucoup de...
L'affordance. Oui, oui. Est-ce que tu peux un peu mieux m'expliquer ce que c'est ? Oui, alors que l'affordance, en fait, c'est la libre exploration. C'est vraiment laisser l'enfant explorer librement son environnement. Et tous les objets en fait qui s'y trouvent sans leur donner de fonction particulière. Donc là, on est vraiment dans le thème. Et ça va permettre également à l'enfant donc une découverte sensorimotrice très très riche en informations. Là, notamment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les sapins. Donc là, on va vraiment avoir une stimulation sensorielle vraiment très très riche en informations sensorielles et très très diversifiée. Hein. Là, on a vraiment une vaste palette hein, de matière, de poids, au niveau sensoriel, ça va être vraiment très très diversifié et ça va on permet donc de selon les besoins d'exploration de l'enfant, selon ses envies, ça va l'aider en fait à dans son évolution parce que on sait tous que l'enfant se développe grâce au jeu, il fait beaucoup d'apprentissage grâce au jeu depuis tout petit en fait depuis la petite enfance, il se développe, c'est vraiment très très important au niveau de développement de son cerveau également, ça lui donner aussi confiance en lui, hein, de toutes les ces manipulations, tous ces jeux d'encastrement, ces jeux de construction, ça lui donne aussi vraiment beaucoup confiance en lui. Et c'est vraiment essentiel pour sa construction. C'est vraiment essentiel pour la construction de l'enfant de pouvoir être amené à manipuler de façon en libre et en toute autonomie en fait, et de créer ces petites histoires. Autour de l'imaginaire. Et je parlais donc de tout ce qui était encastrement qui va vraiment permettre la confiance en soi on a également toute une gamme de jeux en fait qu'on va vous présenter, tout ce qui va être des jeux de construction progressifs, hein, enfin, on en a un peu pour tous les âges et toutes les capacités et qui vont aussi développer toutes ces compétences. Fine. Oui. Parce qu'effectivement moi je crois que j'ai encore un peu du progrès à faire, j'ai pas réussi à entièrement reconstruire notre petit abri en bois. Oui, c'est pas grave, on le refera après. aux différents jeux autour de la motricité fine, comme ça je vais pouvoir au fur et à mesure développer mes compétences. Ouais, ouais. Donc là, on peut commencer avec celui-ci. Oui, celui-ci, donc c'est les jeux magnétiques de construction. Donc il y a 42 pièces qui permettent de faire des constructions. Alors ça sera plus approprié pour les enfants ayant une motricité moins développée, hein, puisque ce sont des pièces qui sont assez grosses, très faciles de préhension. Et là, en fait, avec ce jeu ou ce type de jeu, il n'est pas nécessaire en fait, d'expliquer aux enfants ce qu'il faut faire avec. Hein. Ils comprennent tout de suite oui, c'est vrai. Ce qu'il faut faire, hein, spontanément, de façon vraiment intuitive. Pas besoin d'aller diriger. Non, pas du tout. De façon vraiment intuitive, il va comprendre que ça s'aimante ou que ça se repousse, parce que selon les aimants qu'on utilise, ça peut se repousser. C'est un peu le principe de l'aimant. Et là, il va pouvoir construire donc vraiment des formes différentes, abstraites. Hein, ça peut être totalement abstrait, en 3D. Faire des petites cabanes pour ses Playmobil, faire vraiment plein de choses. Elles sont vraiment de formes donc, différentes, de tailles différentes, de couleurs différentes aussi. Donc, on peut vraiment, en toute liberté, créer des figures, des modèles et des structures avec ce jeu magnétique vraiment très très facile à manipuler. C'est un chouette cadeau de Noël, vraiment. Oui, tout à fait. Si vous avez des questions, hein, surtout n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous le souhaitez. Et bien, nous avons justement une question concernant les bacs d'exploration. On nous demande jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut utiliser un bac ? Tout âge, vraiment, c'est ouvert à tout âge, à tout public. Même nous, les grands, on adore s'amuser et créer des mondes vraiment imaginaires et des histoires. Et vraiment, c'est destiné à tous les âges, à tout public. C'est vraiment pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est le partage aussi. Donc, on travaille vraiment sur l'inclusion, sur la coopération, les jeux de coopération, puisque on en parlera notamment en ce qui concerne ces jeux de construction. Mmh. On peut aussi se lancer des défis. Hein, tout à l'heure, ton jeu de construction avec les planches en bois, et bien on peut se lancer un défi en disant, voilà, celui qui construit la cabane dans les bois la plus grande où on pourra mieux se cacher. On définit nos propres règles. Ou non, pas des règles, mais l'évolution du jeu. Voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose que des jeux de collaboration, on peut vraiment participer à plusieurs, jouer à plusieurs et s'inventer des histoires à plusieurs. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce type de jeu.
Là, on va parler aussi d'un autre... Si on veut développer un peu plus notre motricité. Oui, oui. Là, on va vous parler d'un jeu, Margot, donc, qui nécessite une motricité un petit peu plus... qui va nous permettre de développer un peu plus notre motricité. Oui, ouais. Mais qui demande quand même d'avoir une motricité aussi un petit peu plus fine, un petit peu plus avancée. Parce que ce sont le principe en fait de ce jeu qui s'appelle Flexi Sticks. ce sont des petits bâtonnets en bambou. Hein, donc c'est un jeu éco-responsable puisque il est constitué, il est fabriqué en petits bâtons de bambou, des petites barres de bambou. Et qui s'assemblent là, donc grâce au connecteur, on les assemble et là on peut créer des formes vraiment avec toute son imagination. Oui, par exemple, on peut faire des formes assez simples là comme géométrique, une pyramide. Hein. Ou alors comme Céline, qui nous a une collaboratrice de chez Optoys, qui nous a fabriqué un super parapluie, parasol, chapeau. Ça, c'est un peu niveau expert, mais on peut y arriver. On peut aussi faire des fusées. Mais on peut faire des cabanes, même carrément. Ouais. On peut vraiment reconstruire vraiment une cabane pour pouvoir s'y glisser dedans. Vraiment, ça va vraiment faire jouer la dextérité, hein, la motricité, mais vraiment l'imaginaire et les challenges aussi, parce que c'est pas évident de s'imaginer en fait de grandeur nature ou en 3D, donc comment assembler pour reproduire en fait un modèle assez important. Donc il y a des cartes modèles qui sont proposées dans le jeu, mais on peut aussi tout à fait créer en toute liberté. Grâce à ce jeu. Donc ça aussi, c'est, je pense, moi, une super idée de cadeau. Ah oui, celui-là, il est génial. Et n'oubliez pas, en plus, vous avez notre code de -20% qui est déjà actif sur la sélection sur notre site. C'est l'occasion. Vive le jeu libre. Et donc, le code, on le rappelle, LiveJL, LiveJL, tout en majuscule. Voilà. Très bien. Alors, on a un autre jeu aussi qu'on aimerait vous présenter, Margot et moi. C'est le jeu Pix. Pix. Alors, c'est un jeu de construction qui... Un jeu de construction donc, qui, comme tous les jeux libres, ont plusieurs possibilités. Alors, l'idée de base, c'est de construire une structure avec des cônes en silicone, de couleurs. Vous avez trois tailles, hein, donc les rouges, les jaunes et les bleus, donc trois tailles différentes, et des tablettes en bois, en hêtre, donc en massif, hein, en bois massif. Et donc, le but, c'est de construire donc, des constructions grâce à ces petits modules. Et en les plaçant en fait, les uns sur les autres, les planchettes et les petits cônes, les uns sur les autres, ou les uns à côté des autres, où on peut vraiment faire des combinaisons à l'infini. Hein, donc, on a des possibilités totalement infinies de construction. Oui, et d'ailleurs, sur notre blog, on a aussi différentes ressources à propos de ce jeu, des téléchargements qui te permettent par exemple d'essayer de reproduire un Père Noël, un bonhomme de neige, puisqu'on est sur la thématique de Noël en ce moment. Mm-hmm. C'est ça. Et donc là, ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Et ça va aussi développer la prise de décision, parce que là, ce qui rentre en ligne de jeu, c'est comme notion dans ces types de jeux de construction, ça va être la motricité, la prise de décision. Est-ce que je mets ma planchette à cet endroit-là ou à cet endroit-là? L'anticipation aussi, donc ça fait appel vraiment à beaucoup de notions cognitives et qui sont donc sollicitées et qui permettent donc aux joueurs aussi de travailler la concentration, l'attention et le contrôle de l'erreur aussi, parce que justement on doit faire des choix, on a des choix à faire, des fois comme tout à l'heure ça peut tomber et on refait, on recommence, ça fait appel aussi à la patience, à la concentration. Et ce sont des jeux qui à la base étaient mis en place pour, suite à des recherches pour gérer les troubles de l'attention, de la concentration et l'hyperactivité, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et voilà, ça fait quand même appel à beaucoup de compétences chez l'enfant. Et c'est tous ces jeux libres, en fait, dont on a parlé, en fait, vont permettre de considérer des stratégies de résolution de problèmes, permettre de structurer la réflexion, notamment sur le jeu qu'on va aborder juste après, et de permettre en fait de fixer des objectifs, hein, et de trouver par soi-même les meilleurs moyens pour les atteindre. Et grâce à ça, donc, ça va permettre de développer l'autonomie, la confiance en soi, l'imagination, la créativité, hein, dont on a parlé précédemment, et comme je disais tout à l'heure aussi, l'attention, la patience, les habiletés motrices,
les challenges aussi, les défis, parce que là, bah, on peut se faire un défi de, de celui qui on va... On peut y jouer à plusieurs. Qui va, là, qui, va, faire tomber en premier la structure. Oui, ou monter la structure la plus haute. Oui, collaborer ensemble. Et encore une fois, un jeu collaboratif, parce que justement, on peut se faire des défis. D'ailleurs, après le live, si tu veux... On peut essayer de faire la plus haute tour. La plus haute tour. Avec plaisir. Allez, on fait comme ça. Voilà, ils sont vraiment intéressants aussi à manipuler. La texture en silicone est très très douce au toucher. Tout, ouais. Et c'est vraiment très 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 doux. Enfin, à manipuler, c'est vraiment très intéressant. Et avec des poids différents, hein, avec les petites planchettes qui sont de tailles différentes, avec une finition aussi qui est vraiment de très très grande qualité. Donc vraiment, c'est un jeu qu'on adore et auquel on peut jouer jusqu'à tard. Hein, donc vraiment, les plus grands, les plus petits ou les plus grands, vont se l'approprier très très facilement. Encore une idée, une super idée de cadeau de Noël. Ah, celui-là, je l'ai mis sur ma liste. Et donc le jeu dont vous parlez aussi qui permet de développer aussi la résolution de problèmes, c'est ce jeu d'engrenage. Parce qu'en fait, ce jeu d'engrenage est constitué de planchettes donc, qui permettent de constituer la base du jeu. Et de petits modules hein, d'engrenage, de rouages, qu'on va positionner. Ben, en fonction de là où on le souhaite, soit de façon libre pour faire joli, soit de façon avec une optique en fait d'engrenage. Donc il va falloir positionner les engrenages les uns à côté des autres qui vont permettre, comme tu fais la démonstration, la Margot, en tournant la manivelle, d'emporter tous les autres engrenages. Oui, on comprend l'action qui déclenche une autre action. C'est vraiment la relation de cause à effet où on a réfléchi en fait exactement où positionner les engrenages pour permettre l'entraînement de la roue, hein, une roue, deux roues, trois roues. Et là, on peut avoir un challenge, la tour la plus haute encore. Tant qu'on a des pièces, en fait, on peut construire cet engrenage. Donc, il fait vraiment appel à beaucoup de notions aussi de logique, d'anticipation, pour mettre en place un petit peu tout ce jeu, qui est peut-être en fait développé à l'infini, parce qu'on peut reproduire des piliers. Ah oui, on a plein de possibilités possibles. Voilà, c'est l'avantage de tout ça. On peut l'élargir, on peut le faire en hauteur, comme on a montré avec la tour des engrenages. Oui. Vraiment, tout est possible. C'est ça. Donc vraiment, c'est vraiment... Et on peut aussi faire une création libre, vraiment. Oui, totalement. C'est en totale liberté. C'est le principe vraiment du jeu libre là, qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. On vous en avait présenté d'ailleurs certains de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si certains d'entre vous avaient vu le live de la semaine dernière. On avait présenté le Billy Beau, hein, celui exactement, qu'on a montré encore tout à l'heure. Qui nous a aidé. Oui, pour aller chercher le bois. Donc c'est un jeu libre de la proposé aussi par le fournisseur Moluc. C'est vraiment un jeu versatile, on en fait vraiment ce que l'on veut. Tout à l'heure, on s'en est servi comme petit récipient pour mettre l'eau, apporter l'eau dans notre bac aquatique. Tout à l'heure, tu t'en es servi comme panier, mais c'est également une toupie, un tambour, une cabane, une montagne, on peut monter dessus. Vraiment un jeu de motricité, mais pas que. Donc vraiment, c'est tout ce qu'on aime en fait chez Optoys, c'est détourner, trouver d'autres utilisations, au jeu. De multiples utilisations au jeu. C'est vraiment tout ce qu'on apprécie chez Optoys. Oui, voilà, en fonction de l'envie, l'intérêt. De l'enfant et ses possibilités. Il va évoluer, il fait évoluer aussi le jeu. Au fur et à mesure. Ce sont des jeux qui, en général, on garde longtemps et qu'on se... Réapproprie peut-être au fur et à mesure. Qu'on se transmet de génération en génération, dans la fratrie. Ça crée des souvenirs. Voilà, et puis parce qu'ils sont évolutifs. Ils sont évolutifs parce qu'ils n'ont pas de règles préétablies. C'est la totale imagination de l'enfant. Eh bien, je crois que c'était une super conclusion, Christine. Ouais. Merci beaucoup. Je te propose qu'on retourne au centre pour pouvoir présenter une dernière fois nos trois bacs. Donc le bac des couleurs ici qu'on a fait. Après, le bac... autour nature, un peu nature, campagne, qui est très propice à l'exploration, à la découverte. Et celui-là, pareil, vraiment créativité à fond, aquatique. Le bac aquatique qu'on adore. Et d'ailleurs, regardez, le bébé pingouin est né. Ça y est, chouette. Quel nom on lui donne, vous pouvez nous dire en commentaire. On peut le baptiser, oui. C'est alors, ça. Sur notre blog, vous trouvez aussi plein d'idées pour créer vos propres bacs d'exploration. On a écrit différents articles, plein de ressources pour vous donner des idées.
idées d'aménagement de ces bacs qui plaisent vraiment énormément aux enfants. Que ce soit à la maison, en crèche, chez les adultes, ceux qui ont réalisé, Pauline là, qui nous a créé les différents bacs. C'est éclaté. Ben, on se régale à manipuler, à faire vivre en fait tous ces petits objets, ces petits personnages. Ouais. Et on en a plein d'autres. On a toutes ces figurines en fait qui sont proposées avec une grande variété de figurines sur des thématiques vraiment différentes. Parce que là, c'est un bac aquatique, donc pour un enfant qui a vraiment une appétence pour tout ce qui est autour de la mer, tout ce qui est autour de cet univers aquatique. Mais on a plein de figurines que l'on propose sur Hot Toys d'univers et de mondes différents. Donc là, ça laisse un vaste choix, en fait, de vastes possibilités pour créer vos futurs bacs. Voilà. Merci pour cette présentation. Et en plus, c'est vrai que sur notre compte Instagram ou sur les réseaux sociaux, souvent, si vous nous identifiez dans vos bacs d'exploration, dans vos posts ou dans les stories, nous, on les republie, on les met en avant parce qu'on adore et que ça permet, en fait, voilà, de partager. Et à tout le monde de s'inspirer, etc. Vraiment, il y a des idées parfois incroyables. Bravo à vous parce que certaines personnes nous impressionnent. C'est étonnant, vraiment étonnant les idées, les possibilités. On a vu vraiment plein d'idées de bacs qui sont vraiment extraordinaires. Eh bien, je crois qu'il va être l'heure de conclure. Oui. Donc, je pense que Christine nous a vraiment bien expliqué le jeu libre, les jouets versatiles, ce qu'on pouvait faire, les évolutions, la construction, le tri, l'exploration, la motricité. On a fait le tour. Mm-hmm. Et donc, on vous rappelle qu'il y a toujours le code promo LIVEJL tout en majuscule qui est actif et qui vous donne une réduction de -20% sur la sélection Vive le jeu libre sur notre site web, donc LIVEJL. Et ensuite, je crois qu'il va être l'heure de la question pour gagner une carte cadeau d'une valeur de 30€. Alors, vas-y, Christine, la question. Alors, la question, donc si vous avez bien écouté le live du début à la fin, la question est la suivante. En quelle matière sont conçus les flexistics? Alors, j'espère que vous avez bien écouté. À haut clavier, vite, le premier qui répond. Flexistics, on rappelle, je vais aller chercher le jeu. Remontre peut-être. C'est ça, que voilà. Ici, par exemple, le chapeau, parapluie, parasol. Voilà, donc les petites tiges, j'ai indiqué tout à l'heure en quelle matière elles étaient conçues. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit indice, Christine? Oui. Peut-être. Alors, moi, j'en ai un. Vas-y. C'est un aliment qu'adorent les pandas. Ah. Voilà, je pense que vous devriez trouver facilement. Un aliment qu'adorent les pandas. On l'a trouvé. Bravo, félicitations. Super. C'est le bambou, effectivement. Elles sont fabriquées en bambou. En bambou. Donc en plus, le jeu, il a une super... Éco-responsable, ouais. Ouais. Bon impact environnemental. Ouais. Génial. Et puis, encore une fois, si vous souhaitez vous inscrire au formulaire présent sur notre blog, il n'est pas trop tard, vous pouvez y aller. Et vous recevrez un petit code pour lors de votre commande. Vous entrez votre petit code et vous pourrez avoir une petite surprise ajoutée à votre panier. Mm-hmm. Alors bon, je crois que c'est l'heure de nous quitter. Oui. Merci encore de nous avoir accompagnés pour ce troisième live shopping. Mm-hmm. Et on se donne rendez-vous à mercredi prochain. Mercredi prochain, oui. Et petite précision, je pense que j'ai oublié de vous dire que le code cadeau, le code de 20%, LIVEJL, il est actif jusqu'à dimanche 23h59. C'est ça, on peut en profiter tout le week-end, voilà. Prendre le temps de faire son petit shopping. Et voilà, et trouver des super idées de cadeaux de bac. Ouais, c'est le moment. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt.